tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois ça sera une vidéo sur la résine polyester, comment j'ai pu inclure une guêpe dans la résine polyester pour avoir un rendu professionnel, donc un rendu plus comme du verre que comme de la résine. Donc je vous présente la liste du matériel, hein, donc comme d'habitude le matériel pour peser, pour poncer et polir. Donc vous avez toute la liste du matériel, je vous mettrai les liens en barre d'infos sous la vidéo. Donc la résine polyester, donc celle de Hobby Time, va être interdite en France puisque c'est une résine qui vient d'Allemagne. Donc beaucoup de résines polyester de l'étranger sont interdites en France. Donc nous avons en France de très bonnes résines polyester. D'ailleurs Muriel Pouey a réussi à faire de très belles pièces avec une résine polyester française. Je vous mettrai le lien de différentes résines en barre d'infos. Donc voilà, avec n'importe quelle résine, et c'est le même principe. Vous avez la résine et le durcisseur. Donc là je vous montre, donc là il faut la travailler dehors forcément parce que ça a une odeur quand même très forte. Et je vous assure que même dans le garage, avec une porte communicante dans votre maison, vous allez infecter votre maison. Donc je vous dis pas dans un appartement. Donc le pourcentage de durcisseur par rapport à la résine, c'est 2,5%. Donc pour 20 g de résine, vous allez mettre 2,5% de durcisseur en fonction finalement, plus vous allez mettre de résine, plus vous allez augmenter ce pourcentage. Normalement c'est entre 2% jusqu'à 4% de durcisseur. C'est en fonction de la masse de résine que vous allez utiliser. C'est pas très compliqué, hein, il suffit c'est 1,5% jusqu'à 4%. Donc voilà, c'est en fonction de la masse de résine que vous allez utiliser. Donc là, moi je vais pas en utiliser beaucoup. Donc comme toutes les résines, hein, les règles de sécurité, donc des gants, un masque, et là vous pouvez utiliser les masques à cartouche parce que je vous assure que c'est comme si vous travailliez avec des peintures de bombes. L'odeur elle est très entêtante et je peux vous dire que ça peut vous faire vomir ou mal à la tête. Donc n'hésitez pas à mettre les masques avec les cartouches, une blouse ou des vieux vêtements, mais voilà, c'est toujours les règles de sécurité, et pour le ponçage surtout des lunettes. Donc comme vous voyez, quand j'ouvre la résine, je la mélange direct. Voilà, vous la mélangez avec un bâton de bois, vous utilisez une balance de précision. Donc là j'ai des vieux moules que je récupère quand ils sont plus bons pour la résine époxy. Je les récupère et vous voyez, je les coupe en deux. Parce que quand vous faites des doubles couches avec la résine polyester, l'avantage c'est que ça ne se voit pas, les couches ne se voient pas, on ne voit pas la démarcation. Donc là vous voyez, j'ai ramassé une guêpe dans mon jardin, donc elle était sèche, je ne l'ai pas tuée, voilà, donc elle était comme ça, donc je l'ai protégée dans du papier sopalin pour être sûr qu'elle était bien sèche. J'ai trouvé une guêpe et puis un bourdon. Donc là je vérifie bien que la guêpe rentre dans mon moule, vous voyez, et je vais couler ma résine sur juste une partie du moule. Voilà, une partie du moule. Je vais la laisser durcir, si vous voulez, c'est pour lui donner l'emplacement où je vais mettre ma guêpe. Je poserai ma guêpe dessus avec un petit point de résine, je vous montrerai, et comme ça quand je vais fermer le moule et que je vais remplir, elle ne va pas bouger, ma guêpe, elle sera là où j'ai voulu qu'elle soit. Donc ça durcit assez rapidement, la résine polyester, c'est pas comme la résine époxy, en quelques heures, surtout s'il y a du soleil, il n'y a pas de souci. Je vous dis, j'aime beaucoup cette résine, le seul problème que je lui trouve, c'est cette odeur. et puis le fait que quand on démoule, bah, c'est tout collant et c'est vrai que c'est désagréable. J'ai du mal à toucher quand c'est tout gluant, effectivement. Donc vous voyez, là j'ai mis dans une partie, alors ces moules là, ce sont des vieux moules que je me répète, mais que quand j'en ai plus besoin pour l'époxy, quand c'est plus brillant, bah, je les garde quand même, parce que pour la polyester on peut travailler avec n'importe quel moule, c'est pas un souci. Qu'ils aient des défauts, qu'ils soient vieux ou quoi, de toute façon on est obligé de poncer. Donc là vous voyez, je vérifie que ma partie que j'ai coulée tout à l'heure soit durcie, et là effectivement elle est durcie. Manque de peau, elle sera pas assez durcie et donc ma petite guêpe elle va tomber un petit peu dans le fond, mais bon, il n'y a pas, voilà, c'était pas grave, on va bien la voir au final, mais j'aurais pu avoir après des soucis dans le sens où j'aurais poncé et j'aurais poncé bah, ma guêpe quoi. Il faut faire attention de pas trop la mettre sur le côté. Donc là, une fois que tout est bien durci et que la guêpe elle a bien pris finalement, parce que c'est resté un petit peu collant la résine, donc elle est restée dedans. Vous fermez votre moule avec un élastique, donc là j'ai mis du scotch, mais bon, c'est pas tellement... Par contre, protégez bien votre plan de travail, hein, parce que malheureusement, bah, des fois, il y a un petit peu, ça coule un petit peu, pas beaucoup, vous re-remplissez. Donc il faut savoir que la résine polyester se rétracte quand elle durcit, donc là... j'en ai mis et vous allez voir que bon, j'ai des petites fissures au niveau de mon moule et donc ça coule un petit peu, et puis comme ça durcit très vite, hein, et ben il n'y a pas de souci, ça s'arrête assez rapidement et vous re-remplissez si vraiment ça s'est rétracté. Donc là voilà, c'est durci, le lendemain il n'y a pas de souci, vous voyez, c'est durci, mais voilà, c'est collant, tout est collant, c'est très très désagréable au toucher. Je sais pas si vous voyez, là vous voyez pas, mais c'est vraiment désagréable, mais c'est dur. Voilà, c'est juste une couche en superficie que vous avez. Donc une fois que vous avez coupé votre le petit haut qui dépasse, vous le coupez avec une scie à main, hein, vous embêtez pas, ou avec la Dremel, hein, c'est pas un souci, je vous l'ai pas montré parce que franchement c'est simple à faire. Je pense que c'est pas le principal. Donc là, ce que j'ai fait, c'est sur un chiffon, j'ai mis un peu d'acétone et je frotte ma boule, ça enlève pas tout. Mais bon, ça aide un peu. Donc là, je vais préparer du papier à poncer, donc de carrosserie, hein, n'importe quelle marque, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est du 120. Donc il faut du gros grain pour le début parce que faut enlever tout ce qui est collant. Vous allez voir, regardez, là j'ai mis du papier essuie-tout dessus. Ben, ça m'a donné des bouts de papier essuie-tout collés sur la boule. Et bon, ça c'est pas le problème. Il faut vraiment enlever avec le gros grain tout ce que vous avez en espèce de colle, c'est une espèce de pellicule dessus. Je vous dis, c'est ce que je trouve désagréable. Même comme ça, là, elle a une odeur. Hein. Faites attention, même pour la laisser durcir, il faut la laisser durcir sur quelque chose d'extérieur. Hein. Mais mettez pas ça chez vous parce que c'est vraiment une horreur. Hein. Moi, je sais que si je le respire, bah, j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir, c'est une horreur. Donc faites attention à vos enfants, surtout. Et faites ça à l'extérieur, dans un garage, dans un atelier extérieur, hein, vraiment, parce que je peux vous assurer que vous allez laisser les fenêtres ouvertes longtemps. Hein. Donc voilà, là je suis en train de le poncer. Je vous ferai d'autres vidéos sur cette technique, mais la résine polyester, on voit beaucoup d'artistes maintenant travailler avec cette résine. Vous regardez sur YouTube, beaucoup ne le mettent pas. Mais résine bois, c'est souvent avec de la polyester, hein. C'est pas forcément avec de l'époxy. Les professionnels, c'est beaucoup la résine polyester parce qu'elle est plus facile à poncer et on obtient plus facilement une brillance qu'avec l'époxy. L'époxy est plus compliqué à poncer parce qu'elle est plus dure. Hein. Donc vous verrez que la polyester est assez tendre, en tout cas, et plus agréable à poncer. Après, le travail est toujours le même. Hein. Si vous voulez un beau résultat, il faut forcément travailler. Il n'y a pas de secret. Un bon ponçage, un bon polissage, ben, ça vous fait une super belle pièce. Alors là, je vais vous montrer, mais c'est vraiment un effet vert. On a l'impression que elle est dans du vert. C'est vraiment génial. Donc, je vous ferai d'autres vidéos sur la résine polyester à l'avenir. Je vous ferai résine bois, Enfin voilà, je continuerai l'époxy, je fais plein de choses, hein. Il y en a une aussi sur ma boutique. J'ai fait un tuto, donc un pas à pas. Vous avez toutes les photos avec les explications et une vidéo qui est quand même très très détaillée aussi sur comment inclure une aigrette dans de la résine polyester pour obtenir une super bulle. Donc voilà. Je continue et je vous montre au fur et à mesure. Alors j'ai pas accéléré la vidéo parce que je trouve ça important que vous voyez mon mouvement pour poncer. Et là, c'est là que vous comprenez pourquoi mes ongles sont souvent très abîmés, parce que je mets pas de gants pour poncer. J'aime bien sentir la bulle sous mes doigts pour savoir à quel point je suis du ponçage. Donc voilà, moi c'est pour ça j'ai du mal. Donc mes ongles sont toujours très très abîmés. Donc je vous laisse regarder la vidéo, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose à dire. Alors n'hésitez pas à sécher la pièce hein, pour voir où vous en êtes du ponçage, c'est important. Ne réduisez pas les temps de ponçage, surtout dans les papiers du début, parce qu'effectivement c'est là que vos gros défauts doivent partir. Parce que sinon après, le ponçage c'est simple. Quand vous avez une rayure, c'est réduire cette rayure. Donc il n'y a pas de secret. C'est ça que chaque étape de chaque papier à poncer est important. Donc vous allez commencer au 120 pour réduire la rayure. Ensuite vous allez continuer avec des papiers où le grain réduit, mais au niveau du chiffre ça augmente. C'est-à-dire que vous allez passer du 120 au 240, au 500, au 600, au 800, au 1000, au 1200. Après à vous d'apprécier à quel niveau vous êtes. Si par exemple vous passez du 180 au 600, forcément le 600 vous allez passer plus de temps que si vous aviez pris les papiers intermédiaires. C'est une question de bon sens. Voilà, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris le ponçage et ça va tout seul. Donc je vous laisse regarder, je vous laisse continuer. N'hésitez pas surtout à bien essuyer votre pièce pour voir où vous en êtes du ponçage. Vous voyez, moi comme j'ai l'habitude, je passe de 180 à 600, mais je vais passer beaucoup plus de temps sur le 600 que sur le 180. Là, je vais passer un petit moment à poncer. Je vous ai pas mis toute la vidéo avec... je vais passer au moins, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure à poncer comme ça, vivement, avec le papier 600. Et il n'y a que comme ça que vous allez réussir. Et encore, moi, c'est parce que je connais. Je connais bien le ponçage, la technique du ponçage. Donc, je vous conseille quand même de prendre les papiers intermédiaires, surtout pour les débutants. Donc n'hésitez pas à essuyer la bulle pour voir les défauts. Vous voyez, on les voit beaucoup plus quand c'est sec. Et surtout faites attention, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas approcher trop la guêpe, enfin, le décor trop près de la boule. Parce que voilà, quand vous avez des défauts comme ça, j'ai une rayure juste au milieu. Vous voyez, je suis obligée de poncer, j'espère ne pas toucher la guêpe. Par contre, si vous la mettez trop loin dans la boule, ça vous fait un effet loupe et là vous voyez plus rien. Il faut vraiment trouver un juste milieu, donc faites attention à ça. Je vais vous faire de toute façon d'autres vidéos sur la polyester, sur l'époxy toujours, et sur la résine UV. Je vous ferai plein de vidéos, vous allez voir, j'ai plein d'idées. Je vous ferai aussi sur la fimo, sur le modelage, enfin bon voilà, surtout comme d'habitude. Donc là, je suis passée à 1000, encore une fois, je prends pas les papiers intermédiaires, mais parce que j'ai l'habitude de poncer. Vous voyez, la résine polyester se ponce quand même assez rapidement et assez bien. Là, j'ai mis la vidéo un peu en accéléré parce que sinon vous allez vous ennuyer et ça serait dommage. Mais surtout, regardez-la bien jusqu'à la fin. Même si vous devez la regarder en plusieurs fois, surtout regardez bien les vidéos, sinon vous allez louper des étapes. Donc voilà, la polyester est vraiment une super résine au niveau final. Vous avez un rendu super, on dirait du verre. C'est vraiment une résine de professionnel. Mais le problème, vous pouvez pas la travailler dans votre chambre comme l'époxy. C'est pas possible. Franchement, l'odeur, même si vous ouvrez la fenêtre, vous en avez pour 15 jours. C'est une horreur. Donc faites attention. Il faut que ce soit vraiment dans un coin aéré. Sinon, vous allez vite... moi, je sais que ça me donne mal à la tête et ça me donne envie de vomir. Donc voilà, je passe au 2000, vous voyez, et de temps en temps je remplace mon eau et j'essuie je rince ma bulle et je l'essuie pour voir un peu les défauts qui me restent. Vous voyez, le mouvement est toujours le même, alors voilà, mes ongles en deuil, hein. Vous comprenez maintenant pourquoi. Voilà, voilà. Donc vous avez aussi sur ma boutique Isti des tutos payants. Et notamment comment inclure une aigrette, donc c'est, vous savez, un peu la fleur qui sèche du pissenlit, celle où on souffle dessus et on fait un vœu. Je vous montre comment la mettre dans de la résine polyester. Donc voilà, là je passe au 2005, ça va être de plus en plus haut le chiffre parce que le grain diminue et ça va être de plus en plus facile pour vous. Vous savez que c'est fait quand que vous avez fini de passer le bon papier, quand votre bulle glisse sur le papier, vous le sentez sous vos doigts. Donc c'est comme ça que vous pouvez, avec la pratique, il n'y a que la pratique qui fait que on sait quand est-ce qu'on a fini de poncer, etc. Puis moi j'aime bien quand c'est parfait, quand il n'y a pas de défaut, donc effectivement je ponce beaucoup, mais bon voilà. C'est soit on veut une belle pièce, soit il y a beaucoup de défauts, et on n'a jamais rien sans rien, hein, du travail, voilà. Vous travaillez bien, vous poncez bien, ça vous donne une super pièce. Voilà, je vous laisse regarder la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être prévenu des vidéos, parce que je suis pas régulière à poster les vidéos, je les fais quand j'ai le temps vu que je travaille, c'est pas toujours évident. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, laissez-moi un petit com, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Donc voilà, je vous laisse continuer à regarder la vidéo, là ça doit être le papier 3000. Et Ensuite, je vais utiliser 3000, 7000 et la micro-mèche 12000. Donc voilà, je continue avec mon ponçage. Donc là, on passe au polissage. Donc j'ai sorti ma Dremel, j'ai sorti le troisième que j'ai eu chez Résine Pro en kit. Donc le kit est intéressant. Là j'ai un tampon en coton qu'on utilise aussi pour la polymère. Donc plus vous mettez vite et mieux c'est. Alors vous voyez déjà au niveau du ponçage, quand vous avez bien poncé avec la micro-mèche ou même jusqu'à 7000, vous avez vu déjà le brillant et la transparence que j'ai. C'est vraiment une résine professionnelle. Et là, regardez. Regardez comment c'est magique. C'est génial. Regardez-moi ça. Franchement, c'est magique. Donc vous voyez, là, on dirait vraiment du verre. C'est vraiment professionnel. Vous voyez l'effet loupe, comme je vous disais, quand c'est au fond, on a un effet loupe. Donc il ne faut pas la mettre trop près, mais il ne faut pas la mettre trop loin non plus. Donc regardez-moi ça, c'est impressionnant. Bon là j'ai un petit défaut, vous voyez ici c'est un petit bout de colle que j'ai pas réussi à retirer. Bon ça va aller très vite, hein. Un petit coup de nettoyage et c'est bon. Et voilà, donc ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez aimer la résine polyester. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.